top communes des Hauts-de-France, dont le cimetière Saint-Roch abrite la sépulture de plusieurs grands prix de Rome, dont celle de Jean-Baptiste Carpeau. Je suis sûr de... Valenciennes. Joli. Voulez-vous tenter demain mardi, Jean-Louis, une deuxième victoire? Vous êtes à 4 marches de la cagnotte qui vient de s'afficher et vous avez 5 secondes pour réfléchir. Qu'en dites-vous, Jean-Louis? Je reviens. Encore bravo pour ce soir. En Provence, combien de desserts? Yann. 13. Vous avez buzzé tous les 4. Yann a été plus rapide. Vous avez tous buzzé. Jean-Louis, Selma, Jean-Pierre, Yann. Combien de desserts constitués notamment d'amandes, de nougat, déguste-t-on traditionnellement le soir de Noël? Yann, encore une bonne réponse. Bien. Pour revenir demain, mercredi, pour tenter une troisième victoire, 5 secondes de suspense. Qu'en dites-vous, Jean-Louis? Ah, je vais rester. Allez, bravo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 3, 3, 3, 3. C'est beau, ça. Est-ce qu'on peut faire une capture d'écran de ce très beau score? Parce que ça, c'est magnifique. Bravo à tous les trois. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Jean-Louis demain pour tenter une quatrième victoire? C'est lui qui décide, c'est pas nous. Réponse dans 5 secondes. Et je vais vous rappeler que vous avez gagné à ce jour, Jean-Louis, 2000 euros. Ça, c'est ce que vous avez gagné à ce jour. Jean-Louis! Je vais rester. À demain, Jean-Louis! À demain. Et bravo! Top onomatopée, attestée en 1473, je me prononce de la même manière en français, en italien, en espagnol. Mot de trois lettres, ayant donné son titre à un film de Sophie Filière avec André Dussolier sorti en 2000, je peux être triplé et suis souvent suivi d'un point d'exclamation. Aïe. Aïe. Et si c'est triplé, ça donne aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 oui. Robin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Jean-Louis. Bravo, Jean-Louis. Merci beaucoup. Et de quatre. Jean-Louis, voulez-vous revenir demain, vendredi, pour tenter une cinquième victoire et faire tomber la cagnotte qui vient de s'afficher, qui est à 13 300 euros. 5 secondes de réflexion, Jean-Louis. Jean-Louis? Je vais rester. On cherche ce palais de Florence, constitué aujourd'hui. Jean-Louis? Le palais Pitti. Joli. Jean-Louis, 3 points en plus. Bravo. Vous êtes très bon. Bon, déjà, je suis en partie soulagé. Bon. Jean-Louis aussi? Oui. Bon. Parce que je déteste voir un grand champion trébucher sur la dernière marche. Voilà. Jean-Louis, voulez-vous revenir, pas demain, c'est samedi, mais lundi, pour tenter de nouvelles victoires? Réponse de Jean-Louis dans 5 secondes. Jean-Louis? Eh bien, je vais rester parce que je m'habitue. Eh bien, ça me fait très plaisir.